va passer à la caisse. Crédit ne fait pas crédit. Ok tout le monde, n'oubliez pas, vous n'assistez pas à un combat comme les autres. Ça, c'est faites péter les coms. C'est à vous, les spectateurs, de m'envoyer vos meilleures techniques pour que je les exécute. Parce que gagner, c'est bien, mais avec Steve, c'est encore mieux. Prêt à l'attaque, Flitzlag. Ok, quelqu'un te suggère le brise-ou-nours? Viens faire un câlin. Oh, brise-ou-nours. N'oublie pas, Viper Vrace a un bonus de dégâts contre les guerriers de l'ombre comme Bite Strike Shreddy. C'est pas le moment de rigoler, Cub. Tu te trompes, je ne rigole jamais quand il s'agit de gagner des cubonnets. Oh. Prêt à l'attaque, Flitzlag. Si tu veux tenter des techniques vraiment stylées, Battlerama 42 te conseille d'essayer le matraquage informatique. Split Strike téléchargé avec succès. Split Strike! Adversaire déconnecté. T'as vu ça? Stylé et splitogénique. La toute-puissante terre-mère ne veut pas de toi, troll abject. Prêt à l'attaque, Split Strike! Oh, Storm Striker 87 dit... Vas-y, brise Angry Astrid avec son propre marteau. Et Pierre Mamounette dit... Amuse-toi bien et pas de bêtises, mon petit choupinou. Choupinou? C'est drôle, ça me rappelle un truc. Maman! Non! Split Strike! Merci, maman. Oh, moi je trouve ça mignon. Salut, maman de Ked. Tu as raison. Un véritable guerrier ne doit jamais avoir honte de l'amour de sa mère. Je croyais que je l'avais déjà bloqué. Allez, maintenant on va se battre viking contre viking. Prêt à l'attaque, Flitzline. Enfin, un véritable guerrier. Docteur Degadi, envoie-lui un coup de poing brise-glace. Pour le Valhalla. Battle Ready 73 réclame un plaquage acrobatique. Donne le Split Strike, te dit. Fais péter Ulti Maxberg. Tu perds ton sang-froid? Je ne peux me battre, cette femme n'est pas un guerrier comme les autres. Pourquoi? Elle triche? Je la trouve normale, moi. Non. C'est pire. Cette femme est ma mère. Quoi? Ah, non! Qui a réinvité ma mère dans le chat? Tu refuses de te battre parce que je suis ta mère? C'est contraire à nos traditions. Quand tu étais bébé, tu pillais les jouets des berceaux des autres nourrissons. Pourquoi retiens-tu des coups? Les vikings donnent toujours tout ce qu'ils ont, peu importe qui ils ont en face d'eux. Voilà qui est mieux. Ma chère mère, pourquoi? Pourquoi es-tu si froide avec moi? Oh, pas mal du tout, mon fils. Mais maman est plus forte. Oh, elle est vraiment trop puissante. Hé, Keb! Pierre Mamounette te demande d'exécuter une technique. Elle veut quoi? Un viking dans un magasin de porcelaine. C'est quoi ce truc? C'est du génie! Wouhou! Allez, vas-y, Cub! Pour le Valhalla! Et pour la famille! Alors ça, c'est mon fiston. Wow, le nouveau look d'Axel était déjà terrifiant, mais... celui de sa mère est carrément glaçant. Sans mauvais jeu de mots. Fier Mamounette te demande si tu n'as pas oublié quelque chose, Cub. Oh, si, bien sûr. Ma mère est super cool aussi. Merci, maman. Ça, c'est mon fiston. Dans un univers numérique,
un homme a gravi les échelons jusqu'au championnat d'Akedo pour affronter le redoutable Damien Ward. Oh, t'es sérieux? Leur affrontement est entré dans la légende. Le premier double split strike d'Akedo, un split strike si énorme qu'il a changé le jeu à jamais. On n'est même pas sûr que c'est ça qui a provoqué la tempête de pouvoir. Mais Ward a disparu. Oh, c'est un fantôme dans la machine. Jusqu'à maintenant, c'est le match retour du siècle. Ward contre Jet dans le championnat d'Akedo. Voyons un peu où en est ce combat, Briette. Merci, Cub. Jet a lancé les hostilités avec Ice Storm Axel et renvoyé le Cryo Prime de Ward à l'âge de glace. Quel sang-froid! Mais Ward a envoyé son Thunder Punch pour court-circuiter Axel. Paf! Paf! Fais pas d'effet sonore pour les guerriers de Ward, s'il te plaît. Désolée, mais avec son bonus d'un point de dégâts grâce à la tempête de pouvoir, Commandant Panda a balayé Thunderpants et Jet a repris l'avantage. Jet maîtrise bien la tempête de pouvoir. Il doit avoir un excellent professeur. Mais soudain, avec ses points surpuissants, voilà que Shadow Strike Glitchblade débat. Glitchblade! Ainsi sonne le glas pour Commandant Panda. C'est ce que vous vouliez, non? Je suis de retour, paré à asseoir ma domination sur cette compétition. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'en empêcher. On va voir ça. Il ne peut y avoir qu'un seul ultime guerrier d'Akedo. Moi! Oh, tu es tellement prévisible. Fire Strike ou non, tu restes ce pauvre vieux Chux. Très bien, Glitchblade, finissons-en. Shadow Strike! Qu'est-ce qui t'arrive, Ward? Mon pauvre vieux Chuck, c'est trop fort pour toi, ce que je vois! Deux points de feu, hein? C'est parfait. Parfait? Pourquoi tu dis ça? Tu verras par toi-même. Ça sent mauvais. Oh, je leur avais pourtant dit de s'entraîner avec les points de feu. C'est un tout nouveau style de combat. Allez, Chux, on va les avoir. Par le point... C'est à nous d'asseoir notre domination, Chux. Quoi? C'est tout ce que t'as? J'avoue que je m'attendais à mieux. Oh non. Bye, Chuck. C'est ça qu'on a envie de voir. Il fait quoi, là? On dirait qu'il est en train de renforcer Glitchblade. Il a le droit de faire ça? Glitchblade, destruction! Je vous avais dit que j'étais de retour. Et je peux vous assurer que je suis au top de ma forme. On a assez joué, Glitchblade. Achève-le. Et fais-le bien cette fois-ci. Mais c'est quoi ça? De quoi tu parles? Juste là, j'ai cru... Non, rien. T'inquiète pas, Chux. On l'aura la prochaine fois. Je pète le feu et je suis prêt à tout déchirer! Pas trop mal, mais tu es encore très loin d'être prêt. Comment ça, prêt? Prêt pour quoi? Pour la bataille à venir. Pour la véritable tempête de pouvoir.
attaque éclair et style furieux. Cub, qu'est-ce que t'as fait à mon Chucks? C'est un guerrier, pas un top model. Désolé, Jet. Nouvelle rubrique sur CubNet. Je montre à mes abonnés les différents skins de nos guerriers préférés. Il y en a encore des tonnes d'autres qui n'attendent que d'être débloqués. C'est super, Cub, mais moi, je dois me concentrer sur mon combat contre Ward. Ouh, le match retour contre ton grand rival Damien Ward, qu'on n'a pas revu depuis le combat qui a déclenché la tempête de pouvoir. Tu cherchais une bonne occasion de faire un résumé, avoue. Ouais, et maintenant, je sais exactement de quoi Jet a besoin pour son match. Quoi? Encore un défilé de mode? Non, c'est encore mieux. C'est une super nouveauté de gameplay dont j'ai appris l'existence sur CubNet. Vous savez, ça vient de la dernière mise à jour. Bon alors, laissez-moi diffuser votre entraînement et je vous raconte tout ça. Prêt à l'attaque, Split Strike! Prêt à l'attaque, Split Strike! Alors, c'est quoi cette surprise, Cub? Bah alors, je te croyais experte en tempête de pouvoir. C'est le cas. Tu as peut-être découvert quelque chose que j'ignore, pour une fois. On ne sait jamais. Alors, t'attends quoi pour nous montrer, monsieur l'expert? C'était quoi? Ce truc? C'est la surprise! C'est un améliorateur de Speed Strike. Mes cubonnets américains ont envoyé des informations là-dessus toute la journée. Et il y en a qui donnent des bonus de dégâts, de santé, de défense ou des pouvoirs trop cool. Et d'autres, ben... Ouais, celui-là m'a surpris aussi, j'avoue. Hein? La grenouille bafouille. Je pleure de rire. Ha ha. Je croyais tout savoir sur la tempête de pouvoir. Où t'as appris tous ces trucs, Cub? On n'a pas le même fuseau horaire, rappelle-toi. Quand c'est le matin chez Jet, c'est le soir chez Bria et le milieu de la journée chez moi. Donc je suis au courant de tout avant vous. On obtient l'amélioration qu'après un ultime Split Strike. Il s'applique ensuite au guerrier suivant dans un match à 3 guerriers. Par exemple, Cryo Prime a un améliorateur de Split Strike de 2 points de dégâts pour les guerriers de la foudre. Donc si tu as un guerrier de la foudre comme Thunder Pants après, il aura l'amélioration. Et si on lui inflige un Split Strike à son tour, il a un améliorateur qui renforce les guerriers du feu comme Firefoot White Waves. Waouh, Cub! Je suis impressionnée. T'expliques super bien. Presque aussi bien. Presque aussi bien que toi, c'est ça? J'ai été à la bonne école, tu sais. Bien sûr. Moi, j'aurais ajouté qu'il est important de connaître les améliorateurs de ses guerriers avant de les choisir pour un match officiel. Oui, bien sûr. J'allais justement le dire. Mais étant donné que ce n'est pas un match officiel, j'ai décidé d'utiliser de nouveaux guerriers. L'améliorateur de Tailwhip donne un bonus d'un point de dégâts aux guerriers de l'ombre. Alors maintenant, je vais jouer Shadowfire Nightblade. Il gagne un bonus de dégâts grâce à l'améliorateur. Et grâce à sa capacité spéciale, il a aussi un bonus contre les guerriers de la foudre. Quoi? On peut cumuler capacité spéciale et améliorateur? Sacrée surprise, hein? La frappe de l'ombre et du feu! Ah! Il a réduit mes points de vie en miettes! Tout ça grâce au combo d'une capacité spéciale, d'un améliorateur et d'un talent hors du commun. Lacération des ombres! Chucks aussi a un améliorateur. Miroir de points de vie pour les guerriers du feu. J'ai plus qu'à trouver un guerrier du feu. Wow! Il y a un trophée qui s'appelle le style furieux. C'est vrai? Ça vient de ton défilé de mode, Cub. Et ça débloque un nouveau guerrier. Oh! Fire Strike Turbo Chucks! Wow! Qui sait quel genre de pouvoir surpuissant il peut avoir? Oh, moi, je le sais. Ward! C'est bien moi, ouais. Et ton Loser Strike Turbo Chucks ne pourra jamais vaincre mon tout nouveau Shadow Strike Glitch Blade. Oh, oh!
Peu importe comment tu te bats, je vais te faire souffrir. Changement! Chugs? Non, pas de perneur. Tu veux un bout? C'est du saumon. Les ours adorent ça, non? Alors, goûte ça! Changement! Attendez, il se passe quoi, là? C'est le mode Trip Strike Team. Ça permet aux joueurs d'alterner entre leurs trois guerriers à n'importe quel moment du match. Ne manquez rien de l'action en nous suivant sur Cubnet. Je rêve ou Bria essaie de me voler la vedette? Peut-être bien. Dans un match à trois classique, un joueur n'est autorisé à changer de guerrier qu'après un ultime split strike. Par contre, dans le mode Triple Strike Team, on peut changer de guerrier à tout moment. Comme nous allons le voir bien assez vite dans la partie Triple Strike Team du prochain match de championnat de Jet. Fire Strike, Turbo Chucks, Shades et Angry Astrid. Vous êtes prêts, les amis? Et ton adversaire a choisi Overboard, Captain Plunderfoot et Dark Spike. Oh, regarde! Tous tes guerriers sont sortis de leurs pièces pour faire équipe. C'est ça, la camaraderie. Coucou! Hé! Hey, un peu de sérieux, là! On est au championnat d'Akedo, je vous rappelle! Vous croyez qu'ils font les idiots, les autres? Ce narval pourrait être notre grande baleine blanche! Je suis Dark Sprite, ni blanc, ni baleine. Je suis une licorne. Ça fera l'effet. Baleine en vue, moussaillon. N'oublie pas, Jet, c'est victoire par KO. Le premier joueur à infliger un split strike à chaque guerrier adverse gagne. Oui, si c'est rigolo, ne se mette pas KO tout seul avant. À l'attaque, split strike. Génial! Allez, maintenant, prends Angry Astrid pour qu'elle bloque le coup de pied de Captain Plunderfoot avec son marteau. Calmos, vieux, hein? Bah, tu vas nous donner le... Par la fureur du dragon aquatique! C'est quoi ce délire? C'est donc du jeu, vieux! Non, ça c'est l'arc-en-ciel sombre. Il faut le tirer de la Jet! Changement! Free strike! Attends, mais il se passe quoi là? Tu changes trop vite de guerrier. Ça sert à rien d'aller aussi vite. Le plus important, c'est d'envoyer le bon guerrier au bon moment. Changement! Hey, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un changement! Split Strike! Il ne reste plus que toi, Chucks! Changement! 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 Je suis censé faire comment, moi, pour gagner ce Triple Strike Team? Bats-toi comme ton adversaire. Elle envoie chaque guerrier pile au bon moment et elle utilise les pouvoirs de chacun pour, t'écraser. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire, alors. Oh, la prochaine fois. Split Strike! Désolée, Jet. C'est victoire par KO et tous tes guerriers sont... KO, je sais. J'allais dire éliminés. Envoie-moi ce narval par le fond, moussaillon! Je suis une licorne. T'as peut-être perdu, Jet, mais on peut au moins dire que t'auras pas à subir ça. J'adore Akedo!